Ce soir, je vais faire une danse que j'aime énormément. Cette danse, je l'aime suite à la prestation d'une grande danseuse coréenne avec son équipe. Elle a vraiment une très bonne équipe. Je ne sais pas son nom directement parce que c'est toujours écrit en coréen. Donc, mais quand je la vois danser, c'est comme si elle touchait jamais le sol. Et lorsqu'elle a fait cette danse-là, je me suis dit, il faut que je la réalise cette danse-là moi aussi. Et je vais me pratiquer jusqu'à ce que je l'aie certainement. Et ce soir, j'en suis rendu là. Donc, c'est Power Over Me, je crois. Je vais vérifier comme il faut, je pense. Oui, Power Over Me. C'est une belle danse sur deux murs. C'est une danse complexe à cause des rythmes qu'il y a dans cette danse-là. Et il faut aussi, elle est rapide, donc il ne faut jamais lâcher. Si on veut arriver à la fin, exactement au point de fin de cette danse. Donc on va regarder ça avec la musique. Voici Power Over Me avec sa musique. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me soft. Cause then I'm out running in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Shivered and shorn, I'll never forget what you looked like on that night. I know that time is gonna take me, I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Pour cette danse. Vous verrez, il y a une luminosité.
intensité différente parce que j'ai eu un bug avec la caméra hier soir. La voix n'était plus synchronisée avec les gestes. Alors je suis obligé ce matin de reprendre cette section seulement. Alors allons-y. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et ainsi de suite. Donc, c'est une danse à deux murs. Alors, dans cette danse, il y a un tag au mur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ce mur. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 6, 7 et 8 et 1. 2, 3 et 4, 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui fait 32. Donc, on se retourne vers le mur de 12 heures et on fait le tag. 1, 2, 3, 4 et on reprend. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, ainsi de suite. Donc, au mur 6 à 32 count, on fait le tag de 4.